Bonjour tout le monde, c'est Colino et bienvenue dans A Story About My Uncle. Il s'agit d'un jeu de plateforme, donc je sais pas grand chose. Option audio, on va diminuer un peu la musique. Hop, ok. Continue. Pourquoi j'ai mis continuer alors que c'est une nouvelle partie? Ok. Appuyez sur une touche. Nouvelle partie. Dad? Aren't you sleeping yet? It's time for bed, honey. Dad, I can't sleep. Can you tell me a bedtime story? All right. What do you want to hear? Something about an adventure. I think I know just the thing. When I was your age, my biggest dream was to follow my Uncle Fred on one of his adventures around the world. One day, he disappeared. Okay. Ah mince. Option, contrôle. Rétribuer les touches, voilà. Avancer. Z. Et se déplacer à gauche. Q. Voilà. Le shift pour courir. Ok. Spacebar. Ok. Retour. Retour. Reprendre. Bien mieux. I stepped into the lobby of my uncle's house. It lay just across the hill from where I lived with my mother, your grandmother. She had tried to keep me from going, but I wanted to see if Fred was home yet from his latest adventure. Okay. Où est-ce que j'ai mis... Ah, voilà, attendez deux secondes. Okay. Je regardais l'heure qui était... Ah, bon, j'aurais pas regardé là pour regarder le... Pour regarder mon timer. D'accord. Oh. Ok. C'est quoi ça? Ouais, donc ça dit bien IS, c'est les trucs de sécurité. Nous on dit IP en France. Oh, il y a c'est l'ancêtre des bouteilles de plongée, c'est un scaphandre. C'est quoi ça? Du propane, donc ça explose. My uncle used to send me postcards from his long journeys. Greetings from Nepal, Galapagos, Kilimanjaro, the Amazon River. This was the first time he had left without a word. Without sending cards. Okay. L'effet de lumière est mal fait. Par contre, c'est beau. Le décor est beau, mais l'effet de lumière, ils l'ont mal fait. Qu'est-ce que c'est ça fait? Ok. Je peux peut-être régler ça dans les graphismes. Non. Ah, plus. Come on. Ouais, bon, je vais laisser comme c'est. Pas que ça fasse planter mon fraps. I had visited Uncle Fred's house countless of times, but in the locker, which usually was closed, I found something I hadn't seen before. It was an adventure suit. It resembled the one that Fred used, but smaller in size. Curiosity got the better of me, and I tried it on. It fit like it had been custom made for me. C'est peut-être le cas.
The most mysterious room of my uncle's house was the observatory. There he kept his newest experiments, and right now it held a pad used for disposing of garbage. Uncle Fred had warned me not to touch any of his things. But, as I said, I was a curious child. Oh oh, qu'est-ce que j'ai fait? Oh! Et pourquoi je suis attiré vers le centre comme ça? Oh oh! Oh oh! What? J'aurais voulu j'ai été projeté dans le ciel. D'accord. I landed with a crash, but thanks to the suit, I wasn't hurt. I had no idea where the pad had taken me, but back then, I didn't care so much about where I was going or how I would get home. Well, d'accord, j'ai voulu faire un zoom et j'ai... Ok, bon, ça c'est le même truc que mon curseur. D'accord, j'ai de gros sauts en appuyant sur espace. C'est un réveil? Ouais. Ok, bon, quand je fais clic droit, ça me propulse un truc. Clic gauche, pour l'instant, ça a l'air de rien faire. Appuyez, maintenez shift pour courir. Progression a été sauvegardée. Donc ça, c'est le logo pour les sauvegardes. Ok. Un pneu. The suit protected me from falls on the ground, but not in water. I couldn't swim with this thing on. Best be careful. Ouh là là. Un pour charger la combinaison et relâcher pour faire un super saut. Hop là. I was sure that someone had been here before me. Someone had built these bridges and carved these symbols, but who? Where were they now? Et aussi ceux qui ont apporté les pneus. Charger la combinaison, relâcher en courant pour faire un saut en longueur. Ok. Fail. J'ai pas relâché. What? Donc j'ai pas besoin de viser le sol apparemment pour faire le saut, voilà. I found a strange gizmo, some sort of measuring tool that Fred must have built. It seemed to be done measuring though, so I took the results to give to Fred. Ok. Donc. Alors, bon, je vais retourner en arrière pour voir. Allez, je tente. Oula. Honnêtement, j'y croyais pas. How did you know Fred had been there? Well, I found a small campsite.
where Fred must have slept before going further into the caves. I knew it was him, because the place was littered with empty packages of his favorite hiking foods. Canned soups, tube food, and instant noodles. Tube food? That sounds gross. Oh well, it's not that bad. One winter, Uncle Fred and I went hiking into the mountains, and we were surprised by a blizzard. We were stuck in a small cabin for 2 days, and all we ate was tube food, and cold canned goulash as well. Your grandmother was worried sick, but I thought it was all very exciting. Je me suis mis vers le haut pour que les sous-titres soient plus facilement lisibles. La nourriture en tube, ça fait penser à cette vieille ou à ces vieilles pubs là. Il y avait Rapide Aspège et Face d'huître. C'était pour une pub pour le sucre. En fait, le tube rapide asperge, tu faisais un trait du contenu du tube et ça se transformait en asperge. Et face d'huître, c'était à peu près la même chose, mais pour des huîtres. Je pensais que j'aurais pu grimper, mais apparemment non. Hop. Et après. Je suis toujours vivant? D'accord, c'est moi qui faisais le bruit, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un d'autre. Ok, je suis un peu le tour des fois qu'il y a des trucs cachés. J'aime bien faire la collection de tout ce qui est très caché. The power core I found activated the suit's grappling device when I picked it up. It must have been left here by my uncle. Ok. Oh. Ouh. J'ai rebondi contre le mur, ça a failli me projeter dans le sol. D'accord, je peux m'accrocher à tout ce qui est symbole. À condition qu'il soit porté. Ouais, je peux aussi m'agripper au truc de... The grappling device left a sort of symbol everywhere I grappled. I noticed similar symbols already there in the cave. And I was getting more and more certain that this place was where Fred had gone. En relâchant durant un grappin, vous volerez en avant. Oui, raté. Bon, pour l'instant, je suis pas encore au point. Non, non. Et je peux pas tout attraper. Il faut que je fasse gaffe. Hop, hop. Toi là, je sais pas ce que tu es, mais je veux voir. Je sais pas ce que j'ai rattrapé. Non, 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 non. Oh bon sang, est-ce que je vais devoir récupérer le... Le machin, non.
Bon, je peux pas utiliser un truc quand je survole. Peut-être que plus tard je pourrai. Et hop. Bon, un truc récupéré. Ah, peut-être que je... Non, je peux pas. Hop. J'ai cru que j'allais tomber encore. Bon, pour l'instant, je l'aime bien, je veux. Combiner super saut et le grappin. Ok. Voyez, j'essaye de cliquer et il veut pas. Ok. The adventure suit was fantastic. By combining a power leap with a grapple, I could fly long distances through the air at great speed. T'as failli surtout te planter à grande vitesse. D'accord, je m'agrippe pas seulement là où il y a des symboles, seulement là où je suis à portée. Vous le suivrez automatiquement. Ok. Non, hop, voilà. Hop là, haha. Ok, donc là il y a un rocher qui se balance. Allez, hop, oui, non. Et c'est comme ça qu'on s'écrase comme une merde. Allez. Allez, 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 allez. Ah, bon sang, de pas de beaucoup. J'ai voulu tenter un truc, mais j'aurais dû attendre que le rocher. Là. Hop, oui. Yes, j'ai réussi. Il fallait donc que je cours. Oh, il est triste, il pleure. Ok. Donc toi, tu fais... Hop. Rotation. Donc le sprint marche en vol, même si on n'a pas pris de sprint au début. Ah, oh purée, oh purée. Je sais pas où je devais aller, mais en tout cas, j'ai réussi. Tu m'emmènes où, toi? Ok. Tu m'emmènes à hauteur. Hop. Allez, 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 allez. Oh. What you... De pouvoir, vous pouvez maintenant grimper. Ah, super.
What? Comment il m'a repoussé le truc? Il y a le truc qui m'a repoussé le répulseur. Hop là. Les 1 allumé indique combien de grappins il vous reste. Bon, ça je l'avais deviné, hein. Mince, c'est pas ça que je voulais faire. Allez, 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 tu peux le faire, tu peux le faire. Tu l'as fait. Même au-delà de tout ça, t'es dans le dans la map. Hop. Bon, voyons où est-ce que je suis. Par là-bas. Ok. Je sais à combien de vidéos parce que ce genre de jeu, c'est le jeu très addictif. Parce que j'ai foutu mon portable. Il est là. C'est le genre de jeu très addictif. Faut que je me rende pas compte de combien de temps je joue. Hop là. J'ai fait ce que je devais pas faire. Allez, j'ai cru que j'allais pas y arriver. Allez, 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 pas de beaucoup, pas de beaucoup. Ah, et merde. Excusez-moi. Voilà qui est mieux. Did you ever see any of Fred's experiments yourself? Yes. I actually helped him collect samples for his research sometimes. To learn about them? That's right. We found all sorts of things. One time, we went to the forest and found a small pool of water that was full of eggs. Eggs? Were there chickens in the forest? No, not chicken eggs. These were small and jelly-like. Hundreds of them. Fred told me that they were frog eggs. He was in for a surprise, though. Guess what happened? What? What happened? Well, we took some eggs back home, and one day, Fred woke up with bites all over his body. Turns out, it wasn't frog eggs after all. It was mosquito eggs. Oh, poor Fred. I know. He did find real frog eggs eventually. He told me that they were very, very special. But I don't know what happened to them. Ouh, il fait recharger juste à temps. Je joue avec le feu avec ce jeu. Ah, y a un truc là. Non. Ils font vite ceux-là. Thank you.
These blue lights. Did Fred put them here? Or was somebody else here as well? Bon, on dirait que j'ai fini un niveau. Ouh, c'est joli. Waouh. C'est beau. Chers amis, on va s'arrêter là pour cet épisode de Let's Play Découverte. J'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter et à mettre des pouces. Et à la prochaine pour un prochain Let's Play Découverte. A plus.